Hello tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisqu'on m'a souvent, et on me demande là depuis quelques temps, mais Vince, comment tu fais ton petit avatar comme ça, qui bouge avec tes lèvres et qui en plus qui est rigolo? Et bien écoutez, je vais vous apprendre à le faire. La technique en elle-même est compliquée, mais je vais vous apprendre juste à créer votre avatar, vous faire des petits mémojis comme ça. Par contre, si vous êtes intéressé pour une grosse formation ou pour un accompagnement pour le faire avec votre téléphone, bah là, dans ce cas-là, vous me contactez et on le fait ensemble pour vraiment créer une animation un peu spéciale, créer un branding et tout ça. Là, c'est vraiment un tutoriel gratuit pour vous aider et vous accompagner. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fonctionne qu'avec iPhone. Donc, je suis désolé pour vous, mais ça ne fonctionne qu'avec les iPhones. Et surtout avec les dernières versions d'iPhone, c'est-à-dire si vous avez l'iPhone 7, l'iPhone 8, l'iPhone 8 je crois, je sais pas. Il faut avoir le minimum je crois l'iPhone X, parce qu'il faut avoir la petite caméra Face ID, voilà. Donc ça, je vais pas vous expliquer les détails, c'est pas le but. Par contre, si vous avez un iPhone assez récent, on parle de l'iPhone X par exemple, l'iPhone 10, je vous montre comment on fait directement. Donc vous vous rendez sur votre menu classique. Vous allez dans l'onglet messages. Là par exemple je m'envoie en fait un message à moi-même tout seul. Je vais aller sur la petite barre qui est en dessous là, et vous voyez l'onglet memoji. Vous cliquez dessus et là vous allez voir, vous voyez les memoji en fonction de comment vous les avez créés. Donc vous en avez plusieurs, vous avez par exemple la petite tête de souris, coucou c'est Vince, voilà. Vous avez la tête de poulpe également, vous avez la vache, vous avez plein de choses. Mais vous pouvez créer votre memoji. Donc vous allez dans nouveau memoji. Et là, vous choisissez votre couleur de peau, vous voulez être rouge, vous choisissez votre coiffure, vous voulez avoir, vous ressortez du soleil ou autre. Essayez de vous baser à votre tête comme ça, et puis une fois que c'est OK, vous appuyez sur OK, et là, votre tête est enregistrée. Ce que vous avez juste à faire ensuite, c'est, si vous voulez envoyer un message à quelqu'un avec ce petit memoji, c'est soit vous l'envoyez à vous-même, moi je me l'envoie à moi-même pour récupérer des bouts de vidéo pour des photos. Mais si vous voulez faire un petit message vocal assez rigolo, vous laissez appuyer sur le petit bouton rouge et vous dites « Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien ». Voilà, et vous envoyez ce petit message à votre personne qui a un iPhone aussi. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner des memojis, vous voyez, avec, avec entre guillemets un corps. Comme là par exemple, j'ai envoyé plusieurs photos, je me suis envoyé plusieurs photos en PNG pour pouvoir les intégrer à mon branding. Donc par exemple, moi ça c'est ma tête, voilà, et c'est avec ça que j'utilise mon branding. Donc j'ai enregistré toutes les photos que j'ai mis sur mon que j'ai envoyé par message, et ensuite je les ai récupérées pour les mettre dans mon logiciel de traitement de photos, dans Canva par exemple ou autre. Là par exemple, vous pouvez mettre cette tête, vous pouvez mettre ce petit personnage dans le brouillard, le Vince énervé par exemple, le Vince qui vous fait des petits cœurs comme ça, voilà, le Vince qui vous raconte un secret, le Vince qui est posé, qui lâche prise, le Vince qui est heureux, voilà. Donc ça c'est vraiment la technique pour avoir ce petit branding. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a aidé ce petit tutoriel pour iPhone. Si vous voulez vraiment savoir dans le détail comment moi j'anime ça sur excusez-moi, je perds mes mots, sur une vidéo, voilà, ou l'intégrer avec un fond ou autre. Bon, ça après c'est une autre façon de faire qui est un peu plus complexe, je vous l'expliquerai. J'enregistre en fait avec mon ordinateur la vidéo d'une part, je l'ouvre dans mon logiciel de montage, j'enlève le fond transparent derrière, j'enregistre avec un bon micro pour ça et je fais un petit montage, voilà. Mais c'est une petite usine à gaz, on va dire quand même, mais ça va, ça fonctionne et voilà. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter, et moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous aiguiller sur ça. Et j'oubliais, il y a une autre petite technique. Vous avez une action qui s'appelle Clip, voilà, Clips. Je vais pas l'ouvrir parce que je suis pas en tenue de vous recevoir, mais par contre vous pouvez afficher votre tête, votre memoji sur votre corps naturel, donc en ajoutant comme un filtre Instagram. C'est avec l'application Clips, donc c'est très pratique.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé ce petit tuto. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de vidéos ou autres, voilà, ou si vous connaissez des gens qui recherchent de la vidéo. Il y a le concept RapidShot qui existe, il y a des formations, je fais aussi des grosses vidéos promotionnelles, je fais aussi des clips vidéo pour les des clips musicaux. Je fais aussi des vidéos de mariage, je fais beaucoup de choses et aussi du conseil et du consulting. Voilà, si vous avez besoin de lancer une marque ou quelque chose, vous savez pas dans quelle direction aller, ben moi je suis là aussi pour vous aiguiller, vous donner les bonnes choses à mettre en place. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé en tout cas. N'hésitez pas et je vous dis à la prochaine. Ciao!